Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech comme d'habitude. Donc je vous tiens au courant sur les mises à jour iOS. Aujourd'hui elle vient tout juste de tomber, iOS 13.5 Beta 3. Alors on est sur une version bêta, je préviens bien. Attention, si vous voulez l'installer, c'est à vos risques et périls, puisque il y a toujours des petits bugs qui se glissent dans ces bêtas. Mais je voulais vous présenter cette bêta car elle est assez importante. Puisqu'elle est d'actualité, aujourd'hui, cette bêta renferme donc le suivi par rapport au coronavirus, par rapport au Covid-19. Donc je vais vous montrer ça. Elle vient tout juste d'être faite. C'est tout frais. Elle vient tout juste de tomber. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc de montrer ça dans la barre des likes. Abonnez-vous sur la chaîne Vision Hightech. On va bientôt dépasser les 42 000 abonnés. Continuez donc à me soutenir. Et c'est parti pour cette nouveauté iOS 13.5 Bêta 3 français. Dans cette version, le Covid-19 est d'actualité. C'est parti Cette information est très importante, cette fonctionnalité a été développée donc en commun avec Google. Deux informations très importantes dans cette version iOS 13.5 beta 3 par rapport au Covid-19. Donc maintenant, les notifications vont apparaître dans cette mise à jour et Face ID risque d'avoir quelques problèmes avec le port du masque. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Il va falloir se diriger donc dans réglages et dans confidentialité. C'est parti. Réglage. Une fois dans réglage, on se dirige sur. Confidentialité. Bouton. Confidentialité et on rentre. Service de localisation. Alors attention, ceux qui arrivent sur cette vidéo qui entendent la petite voix VoiceOver, c'est que je suis très malvoyant. J'utilise l'iPhone avec l'accessibilité. Donc n'ayez aucune crainte, ce n'est pas un bug. C'est l'accessibilité qui a été mise en marche pour les personnes en situation de handicap. Puisque ma chaîne parle beaucoup d'accessibilité pour que tout le monde puisse être au courant au sujet du Covid-19. Donc c'est parti, on continue. Une fois qu'on est rentré dans confidentialité, on va sur. Alors vous l'aurez deviné, on se dirige sur. Santé, bouton. Santé. Une fois que vous êtes entré sur santé, le premier choix qui s'offre à vous s'appelle. Covid-19 exposure, notification. Oui, bouton. Covid-19 notification, on rentre à l'intérieur. Covid-19 exposure notification. Et ceci est pour l'instant marqué en anglais, on va tout de suite le traduire, c'est parti. Et on va faire appel, bien sûr, au Voxy One. Voilà, donc on va tout de suite se traduire ce texte, c'est parti. OCR en cours. Et on va traduire vers français. De traduire vers français. C'est parti. L'iPhone utilise Bluetooth pour partager en toute sécurité vos identifiants aléatoires avec les appareils à proximité et collecter leurs identifiants. Cela permet à une application de vous informer si vous avez été exposé à COVID-19. Les idées aléatoires sont supprimées après 14 jours. Les applications que vous autorisez peuvent vous avertir si vous êtes exposé à COVID-19. Vous pouvez également choisir de partager anonymement votre diagnostic COVID-19. Voilà, donc comme on vient d'entendre l'explication de ce texte, ça veut dire que... Quand on sera exposé au Covid-19, des notifications pourront être échangées et seront supprimées au bout de 14 jours. Donc c'est super important cette nouvelle, franchement. Ça arrive directement sur les iPhones dans cette mise à jour. Pour l'instant, on n'a rien sur Android. Dans cette mise à jour, rien de nouveau, à part cette grosse nouveauté. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos amis. Apparemment, iOS 13.4.5 ne verra donc jamais le jour. On va directement passer à cette version. Apple devrait donc passer directement à iOS 13.5 avec cette version. D'échange de notifications par rapport au Covid-19, c'est super important. Attention, cette fonctionnalité sera disponible à partir des iPhone 6S. Les iPhone en dessous n'auront pas cette fonctionnalité. Tout commencera à partir de l'iPhone 6S. À partir de l'iPhone 6S, on pourra donc envoyer et recevoir des signaux Bluetooth. Par rapport justement au Covid-19, ça c'est super important. Cette version va être très importante par rapport à la pandémie actuelle. Ceci, ça sera sans puiser dans la batterie et ceci en toute sécurité. On pourra activer ou désactiver cette fonctionnalité sans aucun problème. Et comme vous avez pu comprendre, avec Face ID, on pourra malgré tout avoir un masque, avoir accès au code, si vous avez rentré un code sans problème, ou au Touch ID, pour ceux qui vont bénéficier encore du bouton Touch ID pour déverrouiller avec leur empreinte sans problème. On va faire un test avec une écharpe pour voir si l'iPhone est capable de nous reconnaître. Voilà, donc j'ai mis une sorte de masque, j'ai mis une sorte de foulard pour simuler un masque, et on va voir si donc, Face ID avec cette mise à jour me reconnaît. 189, alors, apparemment, avec le masque, on va avoir quand même pas mal de difficultés. Donc, on aura... Pour beaucoup de personnes, on aura certainement l'obligation de passer par le code ou du Touch ID, malheureusement puisque si vous testez de votre côté et que ça marche avec le masque, dites-moi ça en commentaire. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était super important. Cette bêta iOS 13.5 bêta 3 est super importante par rapport au Covid-19. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager avec vos amis. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.